Okay, I think we are now live. Hello everyone, I'm Lucas Stevenson, I'm the coordinator of ICRC en français. Bonjour, je suis Lucas Stevenson, le coordinateur du réseau européen ICRC, le comité international pour les droits des travailleurs et travailleuses du sexe en Europe. Bienvenue, que vous soyez sur Zoom, que vous soyez sur Facebook. Nous avons une session aujourd'hui qui fait partie du festival digital de ICRC sur les droits des travailleurs et travailleuses du sexe dans les pays francophones. Alors, la session a quelques petits soucis techniques, mais nous allons y arriver. Nous avons trois speakers qui vont présenter. Nous avons Sandra Wesley de chez Stella, une association au Canada, Eva de la Fédération Parapluie Rouge en France, et Kadi et Maguette de Sénégal, Femmes de Diamant. Je les laisserai se présenter et donner plus d'informations sur elles-mêmes. Je vais maintenant passer à faire la traduction en anglais et nous attendons toujours une présentatrice qui va peut-être arriver. So briefly for everyone, my name is Lucas Stevenson. I'm the coordinator of the European Sex Worker Network, ICRC. Today we have a session as part of the Digital Festival on Sex Workers' Rights that is taking place all week. You have more information on our website. And this session is specifically on the issues and challenges faced by sex workers in French-speaking country. And we have three speakers, Sandra from Chez Stella Montreal, Eva from Fédération Parapluie Rouge in France, and Kadi and Maguette from Senegal. And I now let Sandra start the presentation. Thank you so much for your patience. We are a bit late. Thank you. Bonjour tout le monde. Hi, everyone. Je m'appelle Sandra Wesley, je suis la directrice de l'organisme Stella L'Ami de Mamie, un organisme paré pour les travailleuses du sexe à Montréal. My name is Sandra Wesley, I'm the executive director of Stella L'Ami de Mamie, an organization by and for sex workers in Montreal. Donc, je vous parle aujourd'hui, chez nous, il est 8h40 le matin. Je vous parle de, à partir de Montréal, qu'on appelle aussi Jojage, dans les langues autochtones, Mohawk, des peuples qui habitaient ici. Et puis, donc, c'est toujours agréable de parler avec la francophonie, mais c'est toujours aussi un moment de se rappeler pourquoi la francophonie, elle existe. De se rappeler qu'on est unis à travers une histoire de colonialisme, de génocide, de vol de terres, tant en Amérique du Nord que dans les pays africains et ailleurs au monde. Donc, on est évidemment toujours en solidarité avec tous les peuples autochtones qui sont victimes de la colonisation originairement de la France. I'm coming to you from Jojage, also known as Montreal. It's always a pleasure to talk about, to talk with other Francophone sex workers, but it's also a moment to remind ourselves that we are united with this French language because of a history of colonization, of genocide, of slavery, and that the reason we speak this language is because lands were stolen, peoples were stolen. Donc, l'organisme Stella célèbre son 25e anniversaire cette année. We're celebrating our 25th anniversary this year. L'organisme a été créé dans, en 1995, en grande partie pour lutter contre le VIH dans notre communauté, mais également comme résultat de mobilisation de travailleuses du sexe partout au Canada dans les années précédentes. Notre mission, elle est simple. C'est une mission d'améliorer les conditions de vie et les conditions de travail des travailleuses du sexe. So Stella was founded in 1995, in large part to join the fight against HIV, but also as part of mobilizations of sex workers for general rights that were building up for many years before. And our mission is quite simple. It's to improve our working conditions and our living conditions. Donc, on a la très grande chance chez Stella de recevoir du financement de plusieurs sources, notamment une grande partie de notre financement provient de nos gouvernements, tant au niveau québécois qu'au niveau canadien.
ce qui nous donne une stabilité là, qui existe depuis toutes ces années où on a la chance d'avoir des employés qui sont payés, d'avoir une attente de continuer de recevoir un financement. Le financement, il n'est jamais suffisant ou adéquat, mais on reconnaît beaucoup qu'on a la chance d'être beaucoup mieux financé que la majorité des groupes par et pour les travailleuses du sexe. We're very lucky at Stella to receive funding from our governments, both provincial and federal. This gives us the stability to know that we will be able to continue to do this work, to be able to hire and pay staff, which is more than most sex worker groups get to have. Donc, nos services, ce qu'on fait principalement, c'est des services pour notre communauté. En moyenne, on fait entre 5 000 et 8 000 contacts avec des travailleuses du sexe sur l'île de Montréal. Ces contacts incluent la distribution de matériel comme des condoms, des seringues, du matériel de consommation là, diversifié, également de la documentation. Nous faisons aussi... des accompagnements, des références, tout le service de soutien, d'écoute pour toutes les femmes de notre communauté. Et nous produisons également beaucoup de documentation, d'informations sur les sujets qui sont pertinents pour les travailleuses du sexe qui utilisent nos services. Nous publions aussi un bulletin mensuel incluant une liste de mauvais clients et d'agresseurs pour que les femmes de notre communauté puissent s'échanger ces informations-là et essayer de prendre des moyens pour se protéger de ces agresseurs qui nous ciblent. So our services at Stella are primarily services for sex workers in our community. We make between 5,000 and 8,000 contacts every year with sex workers in Montreal. We provide material, condoms, drug use material. We also provide information. We produce a lot of documentation for sex workers on any topics that are relevant to them, from the law to housing, migration, etc. We also publish every month a bulletin that includes our bad client and aggressor list, where sex workers can report aggressors as one way to try to collectively protect ourselves from aggressors who target us. We also provide counseling services and we accompany women with anything that they might need in their lives. Un élément très central à notre travail dont j'aimerais parler un peu, c'est la chance que nous avons de travailler en concertation avec beaucoup d'autres milieux, beaucoup d'autres organismes dans notre communauté à Montréal. Il y a beaucoup, beaucoup d'associations communautaires qui existent ici et qui forment des regroupements de différents milieux. Et très souvent, les groupes de travailleuses du sexe sont exclus de ces mouvements-là, ont de la difficulté à être entendus. Mais au fil des années, nous avons vraiment bâti des liens très forts dans différents mouvements. Évidemment, le mouvement VIH est un mouvement qui inclut les travailleuses du sexe depuis ses tout débuts. Nous faisons partie de regroupements tant au niveau montréalais qu'au niveau québécois sur la question du VIH. Nous avons la chance d'être entendus, d'avoir des alliés dans ces mouvements-là qui vont prendre des positions pour nous soutenir, pour soutenir nos droits. One of the things that is particular to our reality here in Montreal is that we have the chance to be part of a lot of networks of community organizations that have allyship with other movements, to be present and sometimes respected even in various movements. So obviously HIV is a movement where sex workers are always welcome, and we've been leaders in this movement all over the world, and that's true also in Quebec. Un autre milieu où nous avons beaucoup de présence, c'est le milieu de l'itinérance. Juste cette semaine, ici à Montréal, on a vu l'horreur d'un démantèlement massif de campements de personnes qui vivaient dans des tentes
par faute de logement et par souci d'être en communauté. Et puis donc, les luttes pour les droits des personnes en situation d'itinérance, que ce soit les personnes qui vivent dans des campements, que ce soit les personnes qui vivent dans la rue, dans les refuges, l'itinérance cachée également, les personnes qui n'ont pas de domicile fixe, mais qui ne sont pas visibles dans l'espace public. Donc, nous faisons partie de ces regroupements. Nous avons la chance de lutter avec d'autres groupes et c'est parfois difficile dans ce mouvement, mais nous y sommes quand même. So we're very involved in the homelessness movement here in Montreal. We've seen just this week a massive repressive operation with hundreds of police officers to dismantle encampments where people were sleeping in tents. We've had the chance to be able to work with the women in those communities and to be heard, to even sometimes be leaders in developing collective discourse around homelessness. Donc, nous faisons aussi beaucoup partie du mouvement féministe ici au Québec, ce qui est très difficile en tant que groupe de travailleuses du sexe. On parle souvent de notre relation avec le mouvement féministe comme une relation avec notre conjoint abusif. Donc, nous avons un mouvement au Québec très, très fort, un mouvement prohibitionniste anti-travail du sexe qui accapare beaucoup d'espace dans les discours féministes, mais nous avons quand même persisté pour participer à ces milieux-là parce que, donc je présume qu'on a jugé que c'était pertinent quand même pour nous en tant que féministes de faire partie de ces mouvements et de nous avons refusé d'accepter que le féminisme québécois devait absolument être un féministe raciste, transphobe et anti-travail du sexe. Donc, nous avons quand même réussi depuis, au fil du temps, d'avoir certains gains. Donc, notamment notre Fédération des femmes du Québec, qui fédère des centaines de groupes féministes, a pris une position il y a maintenant 2 ans, qui n'est pas une position de soutien des travailleuses du sexe, mais qui n'est pas non plus, qui met fin en fait aux positions hostiles envers les travailleuses du sexe, qui passe par la reconnaissance que les travailleurs du sexe ont une agentivité, donc que nous sommes des êtres humains essentiellement avec un pouvoir décisionnel et qu'on doit être écoutés. Donc, c'est une toute petite avancée, mais c'est quand même quelque chose qui a un impact énorme pour neutraliser en partie la place du mouvement féministe contre les travailleuses du sexe. So we're involved in the feminist movement here in Quebec. We've been very involved despite often considering the feminist movement as our abusive boyfriend. We keep going back and hoping they will change, but it's very hard and every time it's a very violent experience. But we have been able to make some gains in the past few years, notably the Quebec Women's Federation, which is an organization, a network of hundreds of women's groups in Quebec, has taken a position that is no longer hostile to sex workers. It's not a position that supports decriminalization or that supports sex workers' rights, but it's a position that that recognizes our agency as human beings and recognizes that we should be listened to, and that has had a positive impact on our ability to do advocacy because the feminist movement does have a lot of power. Et puis, évidemment, on est aussi impliqué dans les groupes LGBT, dans le mouvement de réduction des méfaits. Ce sont des sujets qui nous tiennent beaucoup à cœur et où on a beaucoup de contacts et d'alliés également qui vont mutuellement supporter les droits des travailleuses du sexe. Donc, dans notre contexte montréalais, on se sent moins isolé, en fait. Donc, on a accès à un certain soutien de la part de nos collègues d'autres communautés, d'autres mouvements et on a également une position de leadership dans ces mouvements-là. Donc, je vais vous parler un peu de nos luttes principales actuellement, ce sur quoi on travaille beaucoup. Donc, en 2013, des travailleuses du sexe canadiennes se sont rendues à la Cour suprême et puis à la Cour suprême du Canada
et ont gagné un jugement unanime qui reconnaissait que la criminalisation du travail du sexe était une atteinte à nos droits de la personne, nos droits particulièrement à la santé et la sécurité. Donc, c'était une reconnaissance que la criminalisation met nos vies en danger, nous met en risque au niveau du VIH et d'autres ITSS. Et la Cour, à ce moment-là, avait donné un an au gouvernement pour changer ses lois. In 2013, sex workers in Canada made their way to the Supreme Court and won a unanimous judgment from our Supreme Court of Canada that confirmed that criminalization of sex work is in violation of our human rights, especially our rights to health and to safety. It was a recognition that criminalizing sex work puts our lives and our health at risk, and the government at the time was given a year to change these laws. Malheureusement, la conclusion de cette victoire à la Cour suprême était des lois qui sont devenues plus répressives qu'elles étaient auparavant. Donc, le Canada a choisi de mettre en place des lois qui s'inspirent du régime nordique, le modèle suédois, où on a complètement criminalisé le travail du sexe pour la première fois au Canada en 2014. Cette criminalisation-là, elle vient avec un discours très manipulatif, très manipulateur, qui a essayé de vendre au public l'idée qu'on criminalisait seulement les clients, mais que les travailleuses du sexe n'étaient pas criminalisées. Donc, vous connaissez évidemment très bien le mensonge de ce genre de discours, tant au niveau logique, où c'est impossible de criminaliser la moitié d'une transaction et pas la transaction entièrement, mais également au niveau légal. La loi au Canada criminalise quand même directement les travailleuses du sexe de plusieurs façons, mais donne une certaine immunité de charges criminelles dans certains cas. Mais une immunité de charge criminelle n'est pas une immunité entière, ne veut pas dire que ce qu'on peut faire est légal. So in 2014, the government at the time enacted new laws that were more repressive than anything we've ever seen before and fully criminalized sex work for the first time in the history of Canada, with laws that were inspired by the Nordic regime and the laws that were put in place in Sweden. They sold to the public this lie that this type of criminalization criminalizes clients, but not sex workers. And we all know that that's just not possible because you cannot criminalize half a transaction and not the other half, but also it's a lie because the law actually criminalizes directly sex workers in many ways. It does provide a certain immunity from criminal prosecution in certain cases, but immunity from criminal charges is not legalization, does not mean that anyone is allowed to do sex work. It is not anything like decriminalizing sex work. Donc, depuis la mise en place de ces lois, donc nous voyons non seulement une augmentation de la répression, parce que les lois sont venues également avec des millions de dollars pour la répression policière et d'autres actions anti-travail du sexe. Nous voyons aussi la montée là du discours très victimisant autour du travail du sexe. Donc, on est passé d'une notion de nuisance publique et de nous voir comme des criminels, si on veut, versus des lois actuellement, puis un discours public qui nous voit comme des victimes d'exploitation qui ont besoin d'être sauvées malgré ce qu'on pense de tout ça. Et puis, donc évidemment, ça a des conséquences très sérieuses. Nous avons eu plusieurs assassinats de travailleuses du sexe dans les dernières années partout au pays. En janvier dernier, un soir en janvier, deux travailleuses du sexe, une à Montréal et une dans la ville de Québec, ont été assassinées pendant la même nuit, en fait. Donc on voit que c'est très difficile de reprendre le contrôle de ce discours-là, notamment au Québec, où en plus de cette vision victimisante du travail du sexe, on voit vraiment la montée fulgurante dans les dernières années du concept de l'exploitation sexuelle et particulièrement
du concept de l'exploitation sexuelle des mineurs, où c'est maintenant quelque chose que la majorité des Québécois sont sous l'impression que la majorité des travailleuses du sexe seraient mineures, que l'âge moyen serait 14 ans. C'est des choses qui sont répétées constamment dans les médias, par les policiers, par nos élus, qui sont basées dans aucune donnée probante, mais qui deviennent vraies à force d'être répétées sans cesse. We've seen a shift since the change in law of a discourse that used to be about sex work as a public nuisance, as just something that was a crime or maybe a morality issue, to this shift towards positioning sex workers as inherent victims that need to be saved. And we've seen that it's very hard to gain control of this discourse. This has led to an increase in violence against sex workers. One night in January last year, for example, two sex workers, one in Quebec City and one in Montreal, were murdered on the same night. What we've seen also, especially in Quebec, is a rise of this discourse around sexual exploitation, and especially sexual exploitation of minors as an excuse to do repression against the entire sex industry. It has become almost a common knowledge that can't be challenged anymore, that every Quebecer now believes that the average age of a sex worker is 14 years old, that the majority of us are underage. It's been extremely difficult to challenge that because people now feel that they just know this, that it's a fact, despite it being based in absolutely no actual data. Je vais vous parler brièvement de d'autres petits enjeux qui existent en ce moment. On a vu là, c'est très récent, cette semaine, Montréal est où les locaux corporatifs de Pornhub sont situés. Donc, la compagnie MindGeek qui gère Pornhub sont à Montréal et on a vu un article publié je pense dans le New York Times, qui nous disait que bon, les sites de pornographie, en nommant spécifiquement Pornhub, sont que c'est que des enfants qui sont là-dessus, que c'est que des vidéos volées, c'est des viols filmés, etc. En même temps, on a une sénatrice anti-travail du sexe qui a déposé un projet de loi qui mettrait des restrictions vraiment énormes sur l'industrie de la pornographie. Et la mairesse de Montréal a également indiqué qu'elle aimerait que Pornhub quitte Montréal et demander au gouvernement fédéral d'intervenir pour faire fermer ces sites. Donc, on voit là une recrudescence soudaine de ce mouvement anti-pornographie qui nous rappelle les années 70 et qui est encore une fois basé dans les fausses informations sur les réalités des travailleuses du sexe. So, we've seen just this week a sudden rise again of anti-pornography sentiment, namely after an article that was published, I believe, in the New York Times that positioned sex work, that positioned porn sites such as Pornhub, which is based in Montreal, as places where, you know, essentially all videos are children and rape videos. And we've had a federal senator who proposed a bill to add extreme restrictions on porn sites, which is essentially a bill that would probably force them to shut down entirely. And we've seen the mayor in Montreal ask the federal government to intervene to get Pornhub out of Montreal. So it's very reminiscent of the 70s. It's very scary to think about what that will lead to. Et finalement, une autre politique qui nous inquiète beaucoup au Canada, ce sont les lois d'immigration. Donc, dans nos régulations, nos règles d'immigration, toute personne qui n'a pas une résidence permanente ou une citoyenneté canadienne, peu importe son statut migratoire, qu'elle ait un statut ou non, un permis de travail ou non, si cette personne est trouvée à travailler dans l'industrie du sexe, à se trouver dans l'industrie, c'est une déportation qui est quasi immédiate et sans appel. Donc, cela met en danger énormément les travailleuses du sexe migrantes au Canada. C'est un enjeu qui nous préoccupe énormément et autour duquel on est très mobilisés. So finally, another big issue right now that we are working on are immigration regulations in Canada, where anyone who doesn't have permanent residency or Canadian citizenship is essentially automatically deported.
So obviously that puts migrant sex workers in grave danger. So we're very mobilized to try to end this, obviously in collaboration with all the other sex worker groups in Canada. Donc, j'aimerais finalement vous montrer quelques documents qu'on a publiés récemment. Je ne sais pas si j'ai le partage d'écran disponible. Ah non, on dirait que non. Je ne sais pas si on peut me le donner. Sinon, je vais juste vous indiquer là notre site web qui est dans le chat chez stella.org. Donc, dans la section publication, nous avons plusieurs de nos documents que nous avons mis en ligne, qui sont disponibles dans plusieurs langues et qui peuvent être d'intérêt pour beaucoup de personnes. Mais un qui me tient à cœur particulièrement, c'est un document qu'on a publié récemment qui parle de réduction des méfaits et de travail du sexe, qui parle de comment ces deux enjeux, la réduction des méfaits est un enjeu qu'on entend de plus en plus, un discours qui est utilisé énormément au niveau des drogues, mais aussi au niveau du travail du sexe. Donc, nous avons fait une consultation donc à travers l'organisme Stella, mais également Butterfly, qui est un réseau de travailleuses du sexe asiatique migrante. Et puis, donc, nous avons publié ce document sur comment, qu'est-ce que c'est pour les travailleuses du sexe la réduction des méfaits, comment ces principes devraient être appliqués et également aider non seulement les groupes de travailleuses du sexe, mais aussi les partenaires, les gouvernements pour démêler et reconnaître les personnes qui utilisent un langage de réduction des méfaits, mais qui, dans les faits, ont une attitude qui est hostile envers les travailleuses du sexe et qui n'est pas cohérente avec ces principes. Donc, je vous encourage à le consulter et j'espère que ce document peut vous être utile. I was hoping I could share the screen, but I don't think I have the capacity. But I would like you to visit our website, shestella.org. In the publication section, lots of our documentation is available, not all of it, but a lot of it, in many languages. And one of the documents that we recently published is called Harm Reduction and Sex Work, Harm Reduction Discourse and Sex Work. And it was after a consultation with members at Stella and also at Butterfly, the Asian Migrant Sex Worker Network, where we were able to discuss what harm reduction means in the context of sex work, what are the principles that we care about, and also for partners, allies, and funders to be able to tell when a project that uses the language of harm reduction is actually respectful of sex workers and when it's not. Merci beaucoup de m'avoir écouté ce matin. J'ai très hâte d'entendre qu'est-ce que mes collègues d'autres endroits ont à dire sur leur lutte actuelle. Merci beaucoup Sandra et bon anniversaire à Stella et à toutes les collègues au Canada. Comme nous avons un peu des problèmes techniques, je voulais proposer si Kadi et Maguette veulent parler maintenant, car il y avait un peu des coupures. Est-ce que vous voulez être les prochaines à présenter? Si vous m'entendez. Le micro est toujours... And I will be the one doing translation. So if you need English translation in the Zoom, join the English channel. And then the next speaker will be Kadi and Maguet from Senegal, and following that, Eva from France. Alors, on ne vous entend pas. Kadi, Maguette, est-ce que votre micro est éteint et fermé? Oui. Okay, super. Merci beaucoup, c'est à vous. Merci. Merci. D'abord, comme introduction, nous sommes deux pour le Sénégal. Mais la responsable principale, c'est Maguette Diop, qui est la présidente de l'association Femmes de Diamant. Femme, comme femme, naturellement, mais diamant, comme perle rare. Donc, je la laisse vous saluer et introduire ce qu'on a à partager avec vous pour les réacs du Sénégal. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Vous nous entendez bien? Okay. Bonjour tout le monde. Donc, vraiment, elle vous salue. Et ce qu'on a préparé ensemble,
c'est vraiment d'abord l'historique de l'association et les réalités au niveau du Sénégal. Donc, on m'a dit, quand on a créé l'association. Donc, elle dit que elles étaient en petit groupe depuis 2003 pour travailler avec des organisations de lutte contre le sida au Sénégal. En l'occurrence, Enda Santé et l'AMCS, l'Alliance des communautés pour la santé, dans le cadre du Fonds mondial. En 2016, elles ont créé l'association Femmes de Diamant. Donc, elles étaient 10 groupes de 10 PS chacune. C'est bon? Donc, elles étaient 10 groupes de 10 PS. Donc, c'était 100 personnes, 100 PS qui s'étaient retrouvées comme membres fondateurs de l'association en 2016. Et en ce moment-là, elles avaient comme partenaire, Enda Santé, comme on l'a dit tantôt, l'AMCS, Médicos del Mundo, une organisation espagnole, le ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, à travers la division de lutte contre le sida. Il y a l'UCL, elles ont comme partenaire une femme chercheur qui était à London, à la London School, et puis maintenant elle est à l'UCL, avec qui ils ont des relations de collaboration dans le cadre des études, des recherches auprès des PS par rapport à l'enregistrement au carnet sanitaire, mais aussi aux conditions de vie des professionnels de sexe au Sénégal. Elles font des formations de leurs membres pour améliorer leur capacité sur le sida, sur la santé, sur le développement personnel, sur le leadership et sur les droits humains, mais aussi sur le genre, les violences basées sur le genre. Elles font des sensibilisations à travers l'association, toujours en matière, dans le cadre de ces programmes-là. Mais l'action la plus importante depuis 2015, c'est vraiment les études qu'elles sont en train de faire avec l'UCL, donc l'Université College de Londres, sur les conditions de vie des professionnels sexe au Sénégal. Parce que nous avons une stratégie qui n'est pas très fréquente dans la sous-région en Afrique, ce qui est de l'enregistrement des PS aux fichiers sanitaires. Au Sénégal, on dit que la prostitution est tolérée. Mais malheureusement, j'ai beaucoup aimé vraiment la présentation du Canada, parce qu'on sent que partout il y a des blocages, ce qui n'est pas du tout normal. Au Sénégal, on dit que la prostitution est tolérée avec une loi qui date de 1966, une loi vraiment obsolète, mais qui permet à la professionnelle de sexe d'aller se consulter mensuellement au niveau des sites de prise en charge. Mais on te donne le droit de se consulter pour exercer le métier, mais on ne te donne pas le lieu où l'exercer. Si on te trouve, tu ne peux pas avoir un client et l'amener dans ta chambre, non. Tu ne peux pas trouver un client dans la rue, non. Ils disent que c'est du racolage. Tu ne peux pas aller dans les hôtels ni dans les auberges pour trouver des clients. Donc, ce qui veut dire que, certes, la prostitution est tolérée au Sénégal, mais malheureusement, on ne te donne pas la chance ou l'occasion de l'exercer. Ça, c'est un problème. L'autre problème,
C'est par rapport à la loi toujours. La loi dit que pour être enregistré au fichier sanitaire, il faut avoir 21 ans. Alors qu'on trouve des PS à 16 ans, à 18 ans, très précoces et qui exercent le métier. Donc actuellement, notre combat, c'est peut-être d'influencer la révision des textes qui régissent la prostitution au Sénégal. Par rapport à l'âge d'inscription au fichier sanitaire, par rapport au carnet sanitaire, parce que autour du carnet, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que si tu as le carnet, ton enfant ne pourra pas voyager. Si tu as le carnet, tu ne vas plus voyager, tu ne vas pas sortir du Sénégal. Tout ça sont des rumeurs qui tournent autour du carnet. Il y a aussi le duplicata du dossier qui se trouve au niveau de la police. Ça aussi, c'est un combat pour nous. Le fichier qui est à la police met mal à l'aise les professionnels de sexe parce qu'on ne sait pas. Par rapport à la confidentialité, on ne sait pas. Par rapport à comment ils conservent ces dossiers-là, est-ce que tout le monde n'a pas accès à ça? On peut maîtriser ce que ça passe au niveau des sites de prise en charge, mais on ne peut pas maîtriser ce qu'il y a à la police. Présentement, avec l'UCEL, on est en train de faire des propositions. Nous avons fait des focus group où on a discuté avec les PS, beaucoup de PS, pour leur demander quels sont les problèmes par rapport au métier. Elles nous ont fait des propositions. Nous avons proposé que le carnet sanitaire soit remplacé par une carte avec QR code. Avec QR code. Pour qu'on puisse éliminer carrément le carnet sanitaire. Elles nous ont fait des propositions pour que l'âge de l'inscription au fichier sanitaire soit rabaissé jusqu'à 16 ou 18 ans, pour qu'on puisse quand même intégrer les jeunes qui font la prostitution actuellement au Sénégal. Et les prendre en charge sur le plan médical. Et ça aussi, c'est important. Nous sommes en train aussi de faire la promotion des droits humains. Il faut que les professionnels sexe connaissent leurs droits, mais aussi avoir le leadership de les défendre. Si on prend le cas de Maguette, elle est la présidente de l'association. Elle était analphabète, mais elle a eu à faire des cours en français pour pouvoir maintenant comprendre ce que les gens disent. Et notre objectif est qu'elle soit vraiment en mesure de parler elle-même. C'est ça notre objectif. Elle est très engagée, très dévouée, mais elle a des contraintes par rapport à l'éducation à bas âge, l'éducation française à bas âge. Mais elle est très engagée. Présentement, tout ce que les gens disent en français, elle comprend, mais elle ne peut pas actuellement parler. Donc, c'est ça les contraintes qu'elle a actuellement. L'autre chose, c'est que présentement, les professionnels de sexe sont très impliqués dans les instances de décision au Sénégal. Au niveau du CCM, c'est la cellule de coordination des programmes du Fonds mondial. Les PES ont une représentation là-bas. Représentés. Vous nous entendez? Donc, actuellement, il y a une intégration des PS dans les programmes, mais les fonds restent minimes. Si on intègre les PS dans les programmes en même temps que la population générale,
les PS, en tout cas les populations claires, restent vraiment la cible minoritaire. Quand il y a la répartition des fonds, c'est très compliqué. Par rapport à la représentation, si c'est un groupe de 10 à 11 personnes, 15 personnes, on ne voit qu'une PS ou bien deux PS, et elle ne sera pas en mesure de se défendre et défendre ses pairs. Ça aussi, c'est un problème. On a beaucoup aimé ce que vous avez fait, le fait d'échanger, de regrouper des pays, échanger les expériences, et ça renforce mutuellement les PS dans l'exercice de leurs fonctions. Et ça, c'est très important, et nous en vraiment remercions. Voilà, en gros, présent résumé, ce que fait présentement, ce que les PS font présentement au niveau du Sénégal. Bien qu'il y ait une organisation parfaite, il y a beaucoup d'associations de PS, il y a aussi des groupes indépendants de PS qui travaillent en leur sein. Mais par rapport à l'association Femmes de Diamant, franchement, avec nos partenaires, on est en train vraiment d'évoluer. On est en train d'évoluer et on aimerait avoir aussi beaucoup plus de partage avec les organisations de PS qui sont en dehors du Sénégal. Parce que présentement, on travaille en étroite collaboration avec les PS dans le cadre de la santé, dans le cadre de la promotion des droits humains, du leadership, mais aussi du genre. Ce sont les programmes qu'on est en train de développer. En dehors de la recherche qu'on fait depuis 2015, on l'a commencé à... vraiment à l'écoute. Merci. S'il y a des questions, on reste à l'écoute. Ah, d'accord, merci. La dernière phrase a été coupée. Merci beaucoup à vous. Et j'ai mis là dans le chat le lien d'une recherche, et je crois qu'Aurélia a fait avec vous, sur l'impact de COVID. Là, ça coupe un peu. Allô? Oui, on... Allô? Oui. On a beaucoup travaillé avec la COVID. Les partenaires au Sénégal nous ont appuyés d'abord, en premier temps, pour qu'on puisse... Parce qu'il y a des pays qui avaient des problèmes par rapport à la COVID. Il y a des pays expulsés de leur chambre, parce que beaucoup de pays au Sénégal ne logent pas avec leur famille. Elles ont pris des chambres ailleurs et elles logent là-bas. Et maintenant, avec l'arrivée de la COVID, au mois de mars, avril, mai, ces trois mois-là, avec le couvre-feu qui avait existé, les PS ne pouvaient pas continuer leur travail convenablement. Elles n'avaient plus de quoi manger, mais aussi de quoi payer leur loyer. Donc, il y avait des PS qui ont été expulsés et c'était à la présidente de chercher des moyens pour les reloger. En attendant maintenant d'avoir un financement facilité par Parapluie Rouge, franchement, on a pu, avant même que ce financement ne vienne, Parapluie Rouge nous a demandé de se réorganiser pour qu'on puisse prendre en charge ces PS qui ont des problèmes. Et là, on a acheté des kits de prévention individuelle et collective. Nous avons relogé deux PS qui avaient des problèmes. Nous avons acheté des vivres pour les PS là parce qu'elles ne travaillaient plus. C'était vraiment compliqué. Et Parapluie Rouge nous a encore aidé à trouver un financement pour quand même mieux accompagner ces PS là. Ça aussi, vraiment, nous remercions fortement Parapluie Rouge par rapport à la recherche de fonds pour ses partenaires, mais aussi à l'accompagnement des associations sénégalaises. Même aussi, des organisations sénégalaises nous ont appuyés comme ANSES à nous donner des vivres pour qu'on puisse les accompagner. Peut-être que ça ne suffisait pas, mais c'était un pas très important et très apprécié par les PS membres de notre organisation.
Vraiment. Et bravo à Parapluie Rouge. C'est après actuellement la seule association étrangère qui nous cherche des financements, mais aussi qui nous met en relation avec des partenaires, mais aussi qui nous finance pour qu'on puisse améliorer la condition de travail des professionnels de sexe. Donc, dans le cadre de la COVID, on fait la sensibilisation, l'accompagnement pour la protection individuelle et collective, mais l'appui, l'assistance en vivre, en nourriture, mais reloger les personnes qui ont des problèmes dans le cadre du respect de leur engagement pour l'hébergement et pour la prise en charge de leur famille. Actuellement, au Sénégal, les choses commencent encore à monter. L'État du Sénégal nous dit que si on ne fait pas attention, nous allons encore arriver à un couvre-feu ou bien en tout cas à des restrictions de mobilité des gens. Et si on arrive à ces restrictions de mobilité des gens, les PES encore auront d'autres problèmes. Parce que si il y a des couvre-feux la nuit, ça pose problème. Les gens ont peur de se rencontrer, de se regrouper parce que la COVID est là. Et on nous dit que ça augmente parce que ces derniers 15 jours-là, ça augmente. Hein? Il y a des messages, des recommandations de l'État du Sénégal pour nous dire vraiment qu'il faut faire attention, qu'il faut redoubler d'efforts. Donc, on a vraiment des menaces quand même pour que les couvre-feux reviennent. Et ça va être très compliqué pour les PES. Oui, Parapluie Rouge, c'est une association qui nous a aidés, qui nous a financés pour 2 ans dans le cadre du renforcement personnel de nos membres, dans le cadre de la formation de nos membres, dans le cadre de l'équipement de notre association et de l'acquisition d'un siège de l'association. C'est notre partenaire privilégié, bravo! C'est notre vraiment partenaire privilégié. Parapluie Rouge, on ne cesserait quand même de les remercier, franchement. Parce que les bénéficiaires concernés prennent plus de le financement nous a aidés à mieux consolider les relations entre les membres de l'association. Parce que les regroupements réguliers, les rencontres régulières, nous ont permis vraiment de mieux se communiquer, mais renforcer la communication interne au sein de l'association. Et aussi, faciliter la collaboration avec d'autres associations, sœurs, surtout celles qui ont à Kies, à Ziguinchor. Donc, et vraiment, on veut vraiment extendre le programme au niveau des autres régions et qu'on sorte vraiment de Dakar, de la ville de Dakar. Merci beaucoup, Kadi et Maguette. Oui. Et merci au Fonds Parapluie Rouge qui soutient aussi ICRSI et d'autres organisations à travers le monde. Je vais maintenant passer le micro à Eva. Eva est de la Fédération Parapluie Rouge qui est différent et Eva va expliquer le travail qu'elles font en France. Merci encore, Kadi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Eva Vosch, coordinatrice de la Fédération Parapluie Rouge, qui a pour objectif de rassembler à l'échelle nationale en France les forces. En fait, on se disait que vous êtes de Parapluie Rouge. Merci beaucoup et pour transmettre nos félicitations et nos remerciements. Mais là, c'est la Fédération Parapluie Rouge, mais ce n'est pas le Fonds Parapluie Rouge qui. C'est une autre association qui donc a pour objectif. Okay. De rassembler à l'échelle nationale de la France les forces qui luttent pour la santé et les droits des travailleurs et travailleuses du sexe. Elle est composée exclusivement d'associations de travailleurs du sexe et d'associations de santé communautaire
qui remplissent à minima deux des trois critères suivants, les mêmes que pour les organisations du NSWP. Donc, que le personnel soit composé au moins d'un tiers de travailleurs du sexe, que la moitié de leurs porte-parole soit des travailleurs du sexe et que la moitié de leur CA, de leur conseil d'administration, soit composée de travailleurs du sexe. Moi-même, je suis travailleuse du sexe dans le secteur d'activité des pornographies. J'ai pris le poste de coordinatrice de la Fédération Parapluie Rouge début mars. Donc, c'est un peu difficile pour moi de faire un historique des actions de la Fédération Parapluie Rouge. Et en fait, quelques jours après avoir pris mon poste, on était confinés. Et parce que la crise sanitaire, enfin les mesures de confinement en France ont été prises à peu près à la mi-mars. Cette crise sanitaire a amplifié les difficultés rencontrées quotidiennement par les travailleurs du sexe liées à la stigmatisation, mais aussi au régime de sous-droits qu'on nous accorde en France. Donc, la diplomatie française communique sur l'abolitionnisme pour diffuser des mesures anti-droits des travailleurs du sexe. Mais en fait, il est plus exact de parler de prohibition du travail sexuel lorsqu'on parle de la France. D'une part, il y a les lois sur le proxénétisme qui fragilisent les travailleurs du sexe dans l'accès au logement, aux services bancaires, aux plateformes de paiement en ligne. Même le gouvernement français a avoué que le proxénétisme est mal caractérisé dans la loi française. Pour les travailleurs du sexe, l'infraction de proxénétisme en fait, entraîne une exclusion des logements formels, une condamnation de l'entraide, une entrave à l'indépendance économique, une entrave aux libertés numériques et entrepreneuriales. Ça favorise différentes formes d'exploitation et empêche de faire appel à des prestataires de services pour avoir, par exemple, son propre site web ou assurer, en fait, sa sécurité. D'ailleurs, cette loi est très souvent utilisée pour pénaliser les travailleurs du sexe eux-mêmes. D'autre part, au niveau local en France, il y a des réglementations municipales et préfectoriales qui organisent la répression via des arrêtés anti-camionnettes, des arrêtés anti-prostitution. Ces arrêtés sont très appliqués dans différentes villes de France, telles que Paris, Lyon, Toulouse, Montpellier et encore bien d'autres. En ce moment, nous travaillons avec différentes associations au sein de la Fédération Parapluie Rouge, mais aussi des associations alliées, à lutter contre ces dispositifs qui précarisent les travailleurs du sexe en agissant en fait comme une surtaxe et compliquent les rapports avec les policiers et poussent les travailleurs du sexe à être excentrés des villes et à être du coup plus vulnérables aux violences. D'ailleurs, en utilisant la voie de contestation légale, le STRAS, le syndicat du travail sexuel en France, a obtenu récemment l'abrogation d'un arrêté municipal en banlieue lyonnaise, et j'en profite pour les en féliciter. Il y a aussi une autre loi, la loi de pénalisation des clients, qui a créé une raréfaction de la clientèle en France, amplifié la crise
amplifiée, en fait. Enfin, la raréfaction de la clientèle a été amplifiée par la crise Covid. Et en fait, ça pousse les travailleurs du sexe à accepter des pratiques qu'ils et elles ne faisaient pas auparavant, à baisser leurs tarifs, à prendre des clients qu'ils ou elles ne sentent pas. Et il y a une hausse des violences à la suite de cette loi. Et là, c'est d'autant plus amplifié avec la crise sanitaire. Il y a une augmentation des transmissions de VIH. Il y a une fragilisation aussi des actions en fait en faveur de la santé et de l'accès aux droits et pour les travailleurs du sexe, et de nombreuses violences extrêmement graves et beaucoup de meurtres. Ce climat hostile, avec toutes ces différentes formes de pénalisation, notamment en fait, qui cible le travail du sexe en rue, accélère la transformation de l'industrie du sexe, notamment la transition numérique pour travailler par l'intermédiaire de sites ou faire du télétravail sexuel, donc les SMS érotiques, les envois de nudes, la vente de porno autoproduit ou des séances de webcam via des plateformes. Et en fait, il faut bien comprendre que ce sont les politiques des États qui influent sur les modalités d'exercice du travail sexuel et les conditions de travail. Ce que je remarque comme transformation en France, c'est que en fait, on ose de plus en plus prendre nous-mêmes nos téléphones et demander à être entendu par les responsables politiques. En fait, avec la crise sanitaire, de nombreux parlementaires et pas seulement ont été très choqués par l'absence de réponse institutionnelle. Et en fait, le problème, c'est que la crise sanitaire a fragilisé aussi la démocratie en France et les parlementaires qui se mobilisent. Donc, il y en a eu en tout là une soixantaine, n'ont pas toujours eu de réponse en fait du gouvernement. Et ce qu'on observe, c'est qu'au bout de 9 mois de crise sanitaire, il n'y a toujours pas eu de réponse politique. Et je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup, Eva. À moins que j'ai raté, est-ce que tu as mentionné la Cour européenne des droits de l'homme que... Ah non, je n'ai pas mentionné la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, il y a un an, je crois que c'était le 19 décembre 2019, on a lancé une attaque de la France par les travailleurs du sexe en Cour européenne des droits de l'homme. Donc, on était un peu plus de 250 à être requérants et requérantes contre la loi de pénalisation des clients, en fait, qui met en danger les travailleurs du sexe. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore de réponse de la part de la Cour européenne des droits de l'homme, mais j'imagine que une administration qui a été un peu ralentie avec la crise sanitaire, mais on devait avoir une réponse à l'automne, il me semble. Donc on a bon espoir en fait que ça finisse par agir et pour éviter en fait que d'autres pays d'Europe adoptent ce modèle qui est dangereux. Euh,
Merci beaucoup Eva, j'ai mis les liens dans le chat room. Donc merci beaucoup à toutes nos présentatrices pour les présentations. S'il y a des questions de la part des personnes, n'hésitez pas, des personnes qui sont présentes dans l'espace Zoom. Je n'ai pas vu de questions, je crois. Peut-être que vous avez des questions mutuellement entre collègues de différents pays francophones, une question que vous avez pour un autre pays. Sinon, je peux moi-même poser des questions, mais j'ai l'impression de... Oui, d'accord. Alors, on va peut-être commencer sur le modèle suédois. Donc, on a vu que la France et le Canada criminalisent les clients des travailleuses du sexe et que c'est une loi qui est néfaste, qui a été opposée par l'Organisation mondiale pour la santé, par Amnesty International, qui met en danger les travailleuses du sexe. Il y a de plus en plus de recherches et de rapports qui prouvent cela à travers tous les pays qui ont criminalisé les clients. Je voulais peut-être savoir un peu plus en Canada et en France. On a un peu discuté du mouvement féministe qui était ambivalent, c'est le mot qui convient. Et je voulais savoir si au Canada en France, vous avez réussi quand même à avoir des alliances et voir qu'il y a quand même du changement qui se passe avec ces mouvements pour plus de soutien des TDS. En France, par rapport au mouvement féministe, c'est très variable. En fait, il y a quand même pas mal d'organisations féministes qui nous soutiennent dans les villes, qui sont avec nous pendant les manifestations. Mais tout ce qui va être féminisme institutionnel vraiment et au contact des politiciens, politiciennes, et exercer en fait des pressions politiques, souvent sont abolitionnistes et du coup c'est très, enfin prohibitionniste, faut pas avoir, enfin faut appeler un chat un chat, mais pour le moment en tout cas, enfin ce que j'observe c'est que de plus en plus aussi de féministes peuvent être abolitionniste, mais contre, par exemple, la pénalisation des clients, avec un féminisme abolo, mais plus pragmatique, et se dire, bah, philosophiquement, le travail sexuel, je trouve ça pas bien, etc. Mais je suis contre toutes les mesures qui entravent parce que ça met en danger la vie des personnes et que c'est documenté. Enfin, du coup, je dirais que c'est un peu variable quoi, en France. Au Québec, au Canada en général, donc, comme j'ai mentionné, on a certaines avancées avec des regroupements qui prennent certaines positions qui sont moins hostiles et qui vont réduire un peu la place que le féminisme prohibitionniste peut prendre, mais c'est très, très présent encore. Et ce qu'on vit en ce moment, c'est beaucoup un backlash de la part de cette minorité dans le mouvement qui est extrêmement anti-travail du sexe et qui en fait vraiment une obsession, là. C'est quelque chose qui est vraiment très intense. Et c'est souvent celles qui ont du pouvoir institutionnel, du pouvoir politique. Donc, on a notamment une personne, une féministe, ben deux en fait, féministes très, très, très obsessivement anti-travail du sexe qui ont été nommées au Sénat canadien dans les dernières années, justement parce qu'elles étaient reconnues comme féministes. Donc, il y a des gens vraiment dans des positions de très haut pouvoir qui utilisent le féminisme comme excuse pour aller à l'encontre des travailleurs du sexe, mais on voit du progrès de d'autres côtés. Ce qu'on voit aussi, donc de plus en plus, les plus jeunes féministes ont moins d'intérêt à lutter contre les travailleuses du sexe, surtout que ça vient souvent avec la haine contre les femmes trans en même temps. Et donc ça, évidemment, c'est de moins en moins acceptable. Donc il y a quand même un certain progrès, mais c'est un progrès que chaque avancée qu'on fait vient avec un énorme backlash des gens qui ont du pouvoir et de cette minorité-là. Au point, il y a même des pratiques dans certains groupes, notamment tout ce qui est les refuges
pour violences conjugales, les centres d'agression sexuelle au Québec, où il y a beaucoup de personnes en situation de pouvoir qui sont anti-travail du sexe. On va aller même jusqu'à congédier des employés qui ne sont pas travailleuses du sexe elles-mêmes, mais qui ont peut-être déjà partagé sur les réseaux sociaux il y a quelques années un article qui était en faveur des droits des travailleuses du sexe ou qui ont dit quelque chose qui n'était pas trop hostile envers les travailleuses du sexe. Donc, il y a ce sentiment-là vraiment là de... une attitude très carcérale envers les féministes qui vont sortir de ce discours-là, puis on va essayer d'utiliser tout le pouvoir possible là, qu'elles ont pour leur rendre la vie difficile. Mais en même temps, ce qu'on voit aussi depuis cet été, on a formé une coalition, donc Stella, en collaboration avec d'autres groupes, notamment des groupes autochtones et des groupes comme Black Lives Matter à Montréal. On a formé une coalition pour définancer la police, donc pour réduire là, énormément les budgets des services de police. Et on voit à travers ça qu'il y a plus de 65 groupes qui se sont joints, dont beaucoup de groupes féministes. Et puis, une des demandes est la décriminalisation du travail du sexe. Et on voit que ça passe beaucoup mieux, que les gens voient que c'est pas possible de parler de droits de la personne, de parler de droits des groupes marginalisés et de tout à coup exclure seulement les travailleuses du sexe de ce discours-là. Donc, il y a quand même des avancées. Moi, j'essaie de rester optimiste parce que si je ne le suis pas, je pense que c'est trop déprimant. Là. On ne peut pas continuer à travailler si on n'a pas un petit optimisme. Donc, c'est sûr qu'il faut attendre de changer vraiment les dynamiques de pouvoir en termes de financement des groupes féministes, en termes de qui sont sur les conseils d'administration, de qui sont nommés dans des positions de pouvoir. Et au Québec, on a une alliance là, très, très forte entre les mouvements anti-travail du sexe et les mouvements anti-femmes musulmanes également. Donc, il y a des lois qui sont passées dans les dernières années pour interdire le port du hijab et autres formes de voile. Et puis, on voit que ce sont les mêmes personnes là, qui luttent avec les mêmes arguments. Et ça prend beaucoup, beaucoup de place dans notre société. Je pense qu'en France aussi, c'est un enjeu très sérieux. Donc, il y a des alliances là, d'extrême droite qui se forment avec les groupes féministes. Et puis, on voit qu'on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Merci beaucoup. Et je voulais demander aussi à Kadi et Maguette un peu la même question. Est-ce que vous avez des alliances avec les mouvements féministes au Sénégal ou d'autres mouvements sociaux? Merci beaucoup. Mouvement féministe, alliance avec des mouvements féministes, association entre pairs. Nous avons un réseau d'associations de populations clés qui regroupe les professionnels de sexe, les consommateurs de drogue, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Donc, les trois cibles-là sont regroupées autour d'un réseau. La chance qu'on a, c'est la collaboration avec la société civile, certaines organisations de la société civile, parce que la lutte contre le sida, dans la lutte contre le sida, on a inscrit clairement que ces populations clés-là soient bénéficiaires des programmes de santé, de droits humains, mais aussi de leadership. Donc, cette collaboration-là nous permet, en cas de problème, que les organisations soient accompagnées par la société civile. Une des organisations de la société civile a mis en place, en collaboration avec une association de parajuristes, des boutiques de droit pour accompagner les minorités, ainsi que les maisons de justice que l'État a mis en place en cas de problème. Parce que le problème majeur de ces organisations, c'est vraiment les considérations religieuses, socioculturelles qui bloquent. La prostitution n'est pas bien vue au Sénégal, même par hasard s'ils disent que c'est toléré. Ce n'est pas bien vu. Les professions de sexe subissent régulièrement des problèmes, soit de la population générale, soit de la police. Nous avons beaucoup de tracasseries policières, des arnaques policières, ce qui nous pose énormément de soucis. Même si le carnet sanitaire est en règle, la police peut t'attraper et te déférer. Moyennant quelque chose, tu es libéré.
Donc, tout ça, ce sont des arnaques. Tout ça, ce sont des arnaques. Donc, nous avons énormément de problèmes par rapport à ça. Si tu veux être à l'aise, d'abord, il faut respecter tes révisites médicales, mais donner de l'argent à la police, à la brigade des mœurs qui font la ronde le soir. Et si tu ne donnes pas de l'argent, tu as des problèmes. Ils te rafent et on te défère. Et là, tu es jugé. Passible de moins de prison. Parce que ce qu'ils vont dire, ça ne va pas être la vérité. Ça, c'est un problème. Parfois, la police descend même jusque dans les maisons pour demander de l'argent. Et si tu ne donnes pas, si tu sors, tu es raflé. Obligatoirement. Ils ne vont même pas chercher est-ce que tu es en règle de tes consultations ou pas. Alors que la tolérance au Sénégal, c'est d'être en règle avec le système sanitaire. Malheureusement, ce n'est pas ça. Merci. Il y a Magir qui disait que même hier, avant-hier, on avait une PS qu'on avait raflée. Elle a été déférée. Donc, et là, il faut que les responsables d'association se lèvent pour aller payer pour qu'elle sorte. Malheureusement, c'est ça que nous vivons. Oui? Merci beaucoup. Je pense que c'est très important d'insister sur, que ce soit dans un système légal ou toléré comme au Sénégal, ou soit un modèle comme le modèle suédois, la police continue d'être un obstacle majeur pour la réalisation des droits. Voilà, tout à fait. Peut-être, au prenant aussi de France ou du Canada, quelle est la situation avec le réseau européen? L'ICRSI a publié récemment une recherche sur l'accès à la justice pour les travailleuses du sexe migrante dans une dizaine de pays en Europe. Et les relations avec la police sont souvent l'obstacle majeur pour les travailleuses du sexe migrante pour avoir accès à la justice. C'est en cours de traduction en français, ça devrait être disponible bientôt. Il est en anglais sur le site pour l'instant. Mais peut-être Eva, Sandra, si vous voulez faire un point sur relations entre les travailleuses du sexe et la police dans votre pays. En France, les relations entre les travailleurs du sexe et la police, en fait, sont très relatives selon s'il y a des arrêtés anti-TDS dans une ville et que la police a pour ordre de donner plein d'amendes et de chasser les travailleurs du sexe. Et les travailleurs du sexe qui sont migrants, dans ces cas-là, les relations sont forcément tendues. Mais dans les villes où il n'y a pas de mesures répressives mises en place, déjà les rapports, je dirais pas que les rapports sont bons, mais que et que l'accès à la justice est facile, etc. Mais en tout cas, ça allège déjà de pas mal de peur en fait de la police et ça favorise moins en fait le harcèlement. Après, ce qu'on essaie de faire pour un peu contourner ça, c'est d'identifier dans les commissariats des policiers qui sont plus inclusifs, mieux formés sur les questions LGBTQI+, et du coup dans certaines villes où il y a des associations communautaires, on a identifié certains policiers, policières qui veulent bien travailler en lien avec nous et faciliter les dépôts de plaintes, mais je pense que c'est tout un travail structurel à faire qui va être long, mais pour le moment, pour porter plainte, etc., c'est très compliqué pour les travailleurs du sexe. Et donc, c'est vraiment un chantier, quoi. Donc, l'accès à la justice, on en est très, très loin. Mais déjà, s'il ne pouvait pas y avoir de mesures répressives, ça serait pas mal, quoi.
Donc, j'ai mis un lien dans le chat d'un rapport qui a été produit en collaboration avec des collègues du réseau juridique VIH. C'est dans la province d'Ontario, des entrevues avec des travailleurs du sexe sur leur relation avec la police depuis les changements de loi. Donc, ça peut être intéressant là, de regarder ça. C'est sûr que la relation avec la police, elle est toujours mauvaise. À Montréal, il y a des millions de dollars qui sont donnés à des escouades anti-proxénétisme et c'est vraiment un focus sur la notion là, d'exploitation sexuelle et l'objectif de sortir les femmes de la prostitution. Donc, ce qu'on voit, c'est évidemment la majorité des femmes qui ne sont pas en mesure de porter plainte. La criminalisation et les relations antagonistes avec la police donnent aussi beaucoup d'opportunités à des agresseurs de toutes sortes de cibler les travailleuses du sexe. Donc, on voit beaucoup de femmes qui viennent nous voir parce qu'elles vivent de l'extorsion, que ce soit de la part d'un ancien conjoint, d'un ami, d'un ancien patron, d'un ancien client. Donc, il y a toutes sortes de personnes qui peuvent faire toutes sortes de types d'extorsion et qu'on n'a pas vraiment de recours parce qu'aller à la police, ben ça veut dire leur expliquer la situation et se dévoiler comme travailleuse du sexe et expliquer la relation avec la personne. Et évidemment, c'est justement ça qu'on essaye d'éviter et c'est ça que la personne va utiliser comme menace, en fait, de dévoiler qu'on est travailleuse du sexe. Donc, on est pris dans cette situation-là. On voit aussi, même lorsque des policiers essayent de se dire là plus respectueux avec des bonnes intentions, que c'est souvent des méthodes très agressives, comme par exemple, ça nous arrive à l'occasion d'avoir des appels chez Stella de policiers qui essayent de nous convaincre de les aider à retrouver des femmes sur la rue parce que bon, ils ont entendu que la femme a vécu une agression, quelque chose, et bon, ils veulent la trouver essentiellement de force pour qu'elle porte plainte, la sauver de force, là. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Évidemment, on collabore pas avec ce genre de choses-là. On accompagne certaines femmes qui portent plainte et puis, donc, parfois, on peut avoir un certain succès, surtout lorsque c'est des agresseurs particulièrement violents, mais ça reste une expérience qui est très désagréable, qui est pas... puis, à la fin, la majorité des femmes avec qui on travaille, ce qu'elles recherchent, c'est la sécurité. C'est pas la punition de la personne nécessairement qui lui cause des problèmes. Donc, par exemple, des femmes en situation de violence dans leur couple, ce qu'elles veulent, c'est probablement quitter la situation, ne pas perdre la garde de leurs enfants, et puis donc pouvoir se loger et puis donc ne plus avoir peur de cette personne-là. Donc elles ont plus, donc elles ont pas un intérêt de porter plainte et que la personne soit simplement punie et parte en prison pour quelques mois. C'est pas utile, ça les met plus en danger en fait. Donc c'est sûr que les femmes vont pas nécessairement chercher la police. Puis, donc, des histoires là comme ce que nos collègues sénégalaises nous racontent de policiers qui vont extorquer de l'argent ou d'autres choses comme des services sexuels, notamment aux travailleurs du sexe. Ce sont des choses qui arrivent également au Canada, qui arrivent au Québec. Donc, surtout pour les femmes qui sont sur la rue, les femmes qui consomment des drogues, c'est sûr qu'il y a toujours des dynamiques de pouvoir, des policiers qui peuvent voler leur argent, qui peuvent faire toutes sortes de choses, là, toutes sortes de comportements extrêmement abusifs. Et finalement, il y a eu des études récentes à Montréal sur le profilage racial. Et puis, une des données là, particulièrement perturbante, c'était que les femmes autochtones sont 12 fois plus à risque d'interpellation policière que les femmes blanches. Donc, c'est ce qu'on observe vraiment sur le terrain, qu'on a des policiers à temps plein. Tout ce qu'ils font, c'est harceler les femmes autochtones sur la rue, donc une grande partie qui échange des services sexuels également. Et puis, donc, elles sont extrêmement surreprésentées dans les prisons et également au niveau de la santé, ça a des conséquences vraiment très graves. Un exemple, là, par exemple, une de nos intervenantes de Stella était sur la rue dans un endroit où il y a beaucoup de femmes autochtones avec une femme qui est en détresse médicale, là, qu'elle avait besoin urgemment d'une ambulance. L'intervenante a appelé 911, qui est notre service là, d'urgence, pour avoir une ambulance. Et puis, la réponse de la personne au téléphone, c'était, en sachant où on était situé, c'était ben, « est-ce qu'elle est autochtone? » C'était la question qu'elle a posée. Et elle a envoyé les policiers plutôt qu'une ambulance pour répondre à la situation où la femme avait vraiment besoin urgemment d'aller à l'hôpital. Donc, on voit que ça a des répercussions là, vraiment à toutes sortes de niveaux et que ça met nos vies en danger de toutes sortes de façons. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à court de temps.
Nous avons des questions dans le chat, mais peut-être que les personnes peuvent répondre par email. Je voulais juste inviter les représentants des trois organisations, peut-être de dire un mot final. Quel est votre message d'espoir pour la communauté? Nous avons une année très difficile entre Covid, les violences, etc. Peut-être juste en une minute, votre espoir pour l'année 2021 ou un message pour la communauté. Je peux? Allez, vas-y. OK. D'abord, juste répondre à deux questions dans le chat par rapport aux alliés. Les alliés, on en a. Parce que nous avons formé des religieux, nous avons formé des journalistes, nous avons formé, en tout cas, des hommes de médias pour vraiment collaborer avec eux pour pouvoir mieux faire notre sensibilisation et mieux conscientiser les gens. Parce que même si on est PS, on a droit de vivre, on a droit à être ensemble, on a droit de travailler. Donc c'est important qu'on le prenne en compte. L'autre chose, les fonds gouvernementaux. S'il y a des fonds étatiques, c'est un fonds gouvernemental parce que c'est un fonds via l'État, le gouvernement sénégalais. Donc, le fonds mondial, c'est un fonds étatique. Donc, il y a nous bénéficions de ces fonds en tant que sous-récipiendaire du fonds mondial. Donc, ce sont les fonds étatiques. Un grand espoir parce que le fait de s'organiser, le fait d'être en réseau nous renforce davantage. Le fait de participer à ces genres de rencontres nous renforce davantage. Il nous met plus en confiance et augmente notre leadership. Et je pense que si on renforce ces genres d'activités, si on renforce la collaboration et la concertation, on arrivera à quelque chose. 5 ans avant, on n'osait pas parler ouvertement de la prostitution ou bien de l'homosexualité. On n'osait pas. Actuellement, on fait des activités, on fait des réunions le jour, alors qu'avant, on le faisait la nuit. Donc, vraiment, on vous encourage à organiser davantage ces genres d'activités-là, bien qu'on n'ait pas encore arrivé à parler ouvertement de ce métier, mais on est confiant que durant les années à venir, les choses vont changer. Merci beaucoup à tout le monde, à la Fédération Parapluie Rouge, à l'association, à toutes les associations encore présentes, mais bravo à vous, Lucas, par rapport à cette coordination et à cette animation. Merci beaucoup. Merci à vous. Et il y a peut-être un dernier mot d'espoir d'Eva et de Sandra avant de fermer. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que donc, les travailleurs du sexe, nous sommes toujours là en 2020, nous serons toujours là en 2021, nous serons toujours là dans 100 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans, nous sommes là depuis le début de l'humanité. Le monde se réveille cette année au concept de pandémie. Nous, des pandémies, on gère ça dans nos communautés depuis des décennies, depuis des centaines d'années. On a une expertise, on a une résilience et puis on trouve des moyens. Et les femmes de nos communautés, certaines travaillent encore malgré la pandémie, certaines se sont adaptées, ont trouvé des façons innovantes de continuer d'avoir de l'argent. Certaines ont pris une pause et sont en train de travailler notamment dans le réseau de la santé pour aider les personnes au niveau du COVID. Donc, nous sommes utiles à la société, nous continuerons de l'être et puis ce ne sera pas des pandémies, des années comme 2020, des gouvernements de plus en plus fascistes qu'on voit qui vont se débarrasser de nous. Donc, c'est déprimant, mais on sera toujours là, peu importe qu'est-ce qui se passe. Et merci Sandra et encore bravo pour tout votre travail au Canada. Et Eva, le mot de la fin est pour toi. Moi, j'ai très, très peu d'espoir en ce moment parce que la situation est assez aberrante. Mais ce que je peux dire, c'est que je pense qu'on a vraiment à gagner, à échanger. Enfin, je trouve ça super ce colloque qui, peut-être, s'il n'y avait pas la pandémie, serait pas arrivé. Là, on échange avec des travailleurs et des travailleuses du sexe du monde entier. Ça va permettre, je pense, de
de voir bah, quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il y a comme atout dans chaque pays, qu'est-ce qu'il y a comme type de mobilisation qui fonctionne et de d'avoir un peu des stratégies, je pense, plus collectives. Enfin, et donc voilà. Enfin, mon espoir, en tout cas, c'est qu'on monte tous et toutes en capacité et qu'on continue de d'échanger, parce que bah, y a bien un moment où ça va fonctionner, quoi, et on aura des droits à l'usure. Je pense que ça va fonctionner, peut-être pas demain, mais parce qu'il faut du temps, mais je pense que petit à petit, oui, il y a des choses qui opèrent quand même. Eh bien, merci encore à toutes. Dans une heure, nous avons la prochaine session du festival qui est en anglais, organisée par SNAP, qui est un collectif en particulier sur le travail du sexe et art et politique, avec beaucoup d'artistes, travailleuses du sexe de différents pays. Ce sera très intéressant. Je pense que c'est en anglais. Et alors, encore une fois, merci à tout le monde. C'était vraiment très enrichissant et j'espère qu'on peut continuer à communiquer et travailler ensemble pour le droit de tous les TDS à travers le monde. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Thank you.